voulez régler un problème d'un peuple, il est important de connaître leur profil psychologique global, connaître les acteurs qui sont en face pour pouvoir le convaincre avec un élément de langage approprié. Je me suis dit, il faut avoir le courage de faire une proposition. En tant que président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, j'ai identifié 5 points parmi nos propositions qu'on avait faites, faisaient partie des dissolutions de l'Assemblée. Et des noms qu'on pouvait proposer au président, y compris celui de Boubou Cissé, qu'il allait choisir, et les M5 allaient faire une charte de la gouvernance, suivie d'un gouvernement d'union qui ne dépassera pas les 25, et le respect strict du DNI. Donc, c'était notre proposition. Mais sur les 10, on était d'accord que sur un seul point, le démembrement ou le remembrement de la Cour constitutionnelle. Tous les autres, on n'était pas d'accord. Et parmi les points qu'on avait proposés, c'est mettre une commission, une haute commission de dialogue national, pour qu'on ressorte les ennemis maliens, qu'on trouve des solutions entre nous avec l'aide de la CEDEAO. On a entendu de très bonnes paroles, on a vu des chefs d'État très soucieux, très attentifs, et l'espoir était permis qu'on aurait des décisions fortes pour entamer une solution de sortie de crise. Donc aujourd'hui nous sommes réunis ici pour justement parler de cette solution proposée par les 5 chefs d'État. Mais il est important de souligner un passage. J'ai été très clair là-dessus. Au nom de la diaspora malienne, nous ne voulons pas un tripatouillage constitutionnel ou des arrangements institutionnels. Mais nous constatons, dans leurs décisions fortes, ils ont parlé des arrangements. Et ce dont nous craignons aujourd'hui, c'est que ces députés, 31 députés qui doivent démissionner, refusent de démissionner. C'est dans leur droit. Parce que quand un député démissionne, est-ce qu'il peut encore se représenter? Les juristes pourront nous le dire. Et s'il ne démissionne pas, la solution, ça serait celle que le Conseil national de la société civile a proposée. Dissoudre l'Assemblée nationale.